it went like. If you look at the history and kind of how Silicon Valley came to be, you just kind of have all the right players that have really lined up, whether it be the universities, the research centers, the big corporations. It is the home to some of the most successful startups in the world. If you take Facebook, Google, Amazon. So San Francisco has that image. I don't know how long it will be keeping it for. Et puis, il y a cet état d'esprit, cette ambiance un peu particulière qui fait croire que tout est possible. Et un état d'esprit, contrairement à un endroit, ça peut se développer partout dans le monde. Ok, l'offre de valeur principale, c'est simple. C'est aujourd'hui, chez Sherpa, tu vas te faire accompagner avec une formule de cours 100% en ligne. Et que tu sois en fait au lycée ou en classe prépa, tu vas te faire accompagner par un ancien de ta filière qui a super bien réussi. Actuellement, ce qui se passe, c'est que sur les cours classiques à domicile, ils voient la personne une heure par semaine. Et du coup, c'est un besoin qui est répondu sur le présent. Mais il n'y a pas d'accompagnement sur le long terme. Nous, on aimerait que finalement, l'expérience de cours, et ce qu'on propose, ça soit permanent, exactement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans la façon dont je comprends votre activité de loin, on a plutôt l'impression que c'est pour renforcer le modèle de bachotage, pour le faire simple. Hein. C'est un peu, en gros, comment je fais pour avoir des bonnes notes, quoi, et pour avoir mes concours. Votre modernité, elle revient de l'archaïsme. Donc, je dis pas que c'est ça qui se passe. Par contre, le gros souci que vous avez à avoir, c'est, en fait, qu'est-ce qui est dans votre business qui va contribuer à construire de la croissance forte. Et qu'est-ce qui va au contraire vous en limiter, quoi. Voilà, c'est de la détente. C'est un moment de décompression là. Voilà, il en faut. C'était très productif cet après-midi. Ouais. On a beaucoup discuté. Beaucoup discuté, était très efficace. Il faut une petite récompense. Je pense que ça, c'est des compétences professionnelles importantes dans l'environnement startup. J'aime bien ceux qui sont dans des boîtes depuis genre 2-3 ans parce que ça veut dire qu'ils vont bientôt avoir envie de changer de boîte. Bah là, ce que je vais faire, c'est que, tu vois, j'en ai deux. J'ai déjà envoyé un mail à ces deux-là. Il y en a un qui a fait 42, donc je vais jouer cette carte-là, concrètement. Du fait qu'on vient de la même école. Et ce que je fais, c'est que... Bah, je vais envoyer un mail en disant que j'ai vu leur profil, qui a l'air sympa, et qu'on peut aller boire une bière. Genre, c'est tout con, hein. Mais il faut la jouer très normal, genre, je suis dev, ils sont dev, et ils reçoivent des milliers d'offres, genre, de plein de recrutements trop horribles, enfin, où les gens écrivent des pavés à la con, et c'est trop, ça marche pas, ces trucs-là. Je dis pas que ma technique marche mieux, mais, mais n'empêche que ça peut le faire, quoi. C'est nul. Donc on va essayer. Hop. Si tu penses être intéressé, l'annonce pour le job est ici. Et si tu souhaites nous rencontrer, je vais mettre autour d'une bière. Fais-moi signe. Et j'ai des petites fautes. Voilà. Bonne journée, Yasmine. En gros, si tu veux, aujourd'hui, un dev. Il a besoin de rien du tout pour trouver un dev. Enfin, surtout si t'es un bon dev. C'est une espèce de superstar. Et c'est la guerre, quoi, parce que... Enfin, les devs, aujourd'hui, reçoivent des milliers d'offres. Vraiment, genre, c'est horrible. Du coup, toi, en tant que start-up de, genre, 20 personnes, qui a pas non plus les possibilités de payer le mec, genre, un salaire de ouf, comme je sais pas quelle autre grosse boîte, c'est trop la guerre pour avoir les bons devs, quoi. Alors qu'on est une trop super bonne boîte, tu vois. Merde. Donc bon. Here in the Silicon Valley, I go to have a beer with people and they have a big smile on their face.
and they're telling me how they just failed. And everyone is so proud of failing. I had to learn that the hard way. But you are gonna fail. You're gonna lose. A billionaire told me this, that sharks swim with sharks. Tuna fish swims with tuna fish. Il parle anglais et vietnamien. Génial. Les fêtes, il est où, là? Non, c'est pas lui. Ça doit être celle-là. Ah, c'est peut-être lui, non? C'est pas lui, là? Je pense que c'est lui, t'es sûr, hein? Okay. Hey, no, not a Uber, my friend. What? You know that animal? Ah, ok, sorry. C'est pas lui. je lui ai dit trois fois, il est là, blablabla. Je comprends même pas pourquoi. Attends, il est censé connaître San Francisco. Okay. Il est là. Hello. Well, was not easy to find you. The whole thing's been an adventure for, like, since the beginning, since we had this idea, it's like, okay, what if we try it? Like, okay, we first started off with my friend, like, saying, hey, we could build a very basic prototype, this concept for, like, $100. Like, okay, so we did it. We know what problems are in front of us, it's just a matter of figuring out how we'll solve them. Unfortunately, a lot of it's money-based. I'll put in because this idea can work, and it doesn't exist yet, so, yeah, we just keep going. How, it's not terribly difficult to make that top pocket where we put the phone. Could we make that like a sensor pocket? Yeah, because you want to add a sensor here. Mm-hmm. No, it's not difficult, but... Okay. It's no big deal. I was just like wondering how... Because we haven't gone into production with this design yet, so it's still technically amenable, yeah? Yeah, for sure. Yeah, okay. I see your eyes fighting with yourself, you know? It's like you need to listen to your body, little bit, yeah? Go to sleep. For real, though? And tomorrow I will make apple cake if you want. Like this, yeah. Got it. Oh, and, thanks. And, thank you. And Etienne is my first name. Okay, great. So, Etienne Porch. Okay. Good to go? Okay, yeah. Let me show you the office first, because you can tell me what's good, bad, whatever, and then we can decide where to film. Money walls, international currency, and this is code for move money. Good. Yeah. Thanks. Don't be shy. Balance. Yeah. Well, we do the same. Yeah, there you go. Nice. It helps you become more effective. Yes, exactly, yeah. Yeah. Can you slip this? Yeah, this is Archie, our head of product. Like I said, Archie has been here forever and ever and ever, so she knows all of Braintree history. I joined Braintree pre-acquisition. We've come a long way with this office and the space. Like, our first gig here on the West Coast was the quarter of this room. Already? Yeah, it was the quarter of this room. And we used to have one desk, and even the bathrooms were not in the office. We had to like go outside and... It has changed a lot. Just to reiterate, we're not recording voices. No, we're not recording. So I was looking at a lot of Airbnbs all around this park, just to see if I could be right next to this park and be able to go to that park every day. We lived in the 18th and the 19th. I stayed at a hotel in the 8th. Obviously Station F is here, and now we're gonna go out this way. Oh, and I stayed in a hotel in La Defense over this way for a couple days, right there. I'll sleep at Station F again. This will be the 5th night in a row. So, it's not
It's not bad. It's okay. It's fine. Life is, you know, waves that go up and come down. You have the peak of a wave and the trough of a wave. You know, right now, we're down here. But the only thing that can happen is it gets better and it goes up. So, yeah. Yesterday, I came home to meet your ghost in my living room, leafing through my books and sipping my oolong. Odd, because you drink coffee, and because I had only just left you at the Marseille train station. At the end of a long day in wounded silence. And whereas your expression had been vengeful as you kindly packed my luggage into a taxi we refused to share. Check. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Le matin, on se réveille, on a la boule au ventre. Bon, voilà, la boule au ventre, un peu quand même. Non, mais ça vend pas autant qu'on aimerait. Et surtout, on se rend compte qu'on a encore besoin d'améliorer des choses.